Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Donc effectivement, il y a beaucoup d'écho avec ce qu'a dit Astrid Chevance ce matin, sauf qu'en fait, je ne vais pas parler du tout de la même chose. Pourquoi un historien se permet-il de parler de l'efficacité des techniques psychiatriques? Ça ne choque pas que Astrid Chevance le fasse. Ça peut éventuellement vous choquer qu'un historien puisse se le permettre. Donc d'abord, j'ai pensé que ça pouvait vous intéresser dans le cadre de ce séminaire, à la fois qui réfléchit sur les techniques et à partir d'approches de sciences humaines et sociales. Mais c'est une question qui revient assez souvent lorsque je fais des conférences. Si je fais une conférence où je parle d'électrochoc, de psychochirurgie, de neurolactique retard, il y a toujours quelqu'un dans la salle qui se lève et qui dit, est-ce que ça marche? Hein, est-ce que ça marche? Alors, et encore, des fois, je parle de pratiques encore plus exotiques du 19e siècle. On pourrait en faire la liste, elles sont très longues. Est-ce que ça marche? Et en fait, la question de l'efficacité des traitements thérapeutiques en général et des traitements psychiatriques en particulier, en fait, a longtemps été négligée par les historiens, a été laissée, en fait, par les historiens, a été laissée justement aux médecins, comme si, au fond, bah, l'historien pouvait rien en dire. Alors, ma démarche n'est pas du tout celle que vous avez entendue d'Astrid Chevance. Moi, mon approche, ma démarche n'est pas du tout de faire des essais randomisés dans les archives, ni même de comparer des anciennes statistiques. Je pourrais faire ça, au fond. Je pourrais très bien comparer d'anciennes statistiques produites par des médecins au 19e siècle et puis dire, bah, le traitement moral au 19e siècle, ça marche. Bah, il se trouve que pour les médecins du 19e siècle, ça marche. Moi, ce que je vais faire, ce que je vais vous proposer, c'est au fond d'envisager la notion d'efficacité en contexte. Hein, c'est-à-dire d'expliquer, de pas considérer que l'efficacité d'une pratique, ça doit rester au fond au sein du champ scientifique ou même au sein voilà, des essais thérapeutiques qui ont été évoqués ce matin, mais que ça peut s'étudier en faisant une histoire globale des pratiques, et je dirais même que ça ne peut s'étudier que en faisant une histoire plus générale, c'est-à-dire en faisant une histoire des pratiques qui tiennent compte, bah, de ces aspects économiques, est-ce que ça coûte cher, est-ce que ça coûte pas cher, de ces aspects professionnels, est-ce qu'on peut le faire tout seul ou est-ce qu'il faut être 10 pour le faire, de ces aspects institutionnels, qu'est-ce que ça permet de faire dans une institution. Est-ce que ça génère des controverses? Est-ce que ça génère des effets secondaires? Est-ce que les patients l'acceptent ou pas? Est-ce que c'est médiatisé ou pas? Donc moi, je vais vous faire en fait plusieurs exemples, deux exemples aujourd'hui, à partir de cette approche. Donc on va dire que vous avez bien compris que moi, je suis plutôt un historien du social. Je travaille sur des objets médicaux, des objets de santé, mais ce qui m'intéresse, c'est comment on peut parler de la société. À partir de ces objets. Donc, je ne vais pas faire une approche internaliste, hein, de la technique. Pour moi, les pratiques, les techniques thérapeutiques ne sont jamais efficaces en elles-mêmes. Hein, elles sont efficaces parce qu'elles sont proposées dans un système global, et ce qui explique qu'elles sont efficaces à un moment donné de l'histoire. Hein, elles ont une naissance, elles ont un développement, elles ont souvent une fin. Alors, personne ne s'intéresse à la fin des pratiques. Moi, je commence à m'intéresser beaucoup à cette histoire de la santé par la fin des choses, parce que je pense que ça dit beaucoup de choses sur justement l'efficacité d'une pratique. On peut considérer une pratique comme efficace à un moment donné, plus à un autre moment donné, et pourtant, c'est toujours la même pratique. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ben, il y a bien des facteurs qui ont fait évoluer cette pratique. Alors évidemment, c'est une démarche qui peut s'appliquer à plein d'objets sociaux, hein, et notamment à plein d'autres pratiques, pas seulement psychiatriques. Pour vous donner deux autres exemples, j'ai un collègue notamment qui a fait un beau travail sur l'électricité médicale au XVIIIe siècle. Il s'appelle François Zanetti. Donc j'ai donné une référence que vous pourrez consulter. C'est en ligne d'un de ses articles dans un numéro consacré à l'électricité médicale. François Zanetti, il dit au fond la chose suivante sur les thérapies électriques, hein, l'électricité au XVIIIe siècle, c'est tout neuf, hein. À partir des bouteilles de LED, etc. On arrive à concentrer l'électricité, donc on peut faire de la thérapie. Et lui, ce qu'il explique, c'est qu'en fait, au début,
Les thérapies électriques sont pratiquées par des espèces de charlatans, des prêtres, etc. Donc les médecins considèrent que ce n'est pas efficace. Mais dans un contexte où les médecins veulent se légitimer face à l'État, commencent à construire des sociétés médicales, etc., ils vont récupérer pour eux ces thérapies électriques et à partir de ce moment-là, c'est considéré comme efficace. Hein, donc là, on a un bon exemple de ce que c'est qu'une pratique considérée comme efficace. Ce n'est pas la pratique en elle-même, c'est toujours la même, mais c'est une pratique par un certain type de professionnel qui obéit à certaines procédures. Et alors, on ne parle pas d'essais randomisés au XVIIIe siècle, mais à des procédures de reconnaissance de la bonne pratique. Et puis un deuxième exemple qui m'a beaucoup amusé dans ces derniers temps, dans le cadre d'un projet sur les amateurs dans les sciences, j'ai mené toute une enquête sur les radiesthésistes des années 30, hein, ceux qui disaient qu'ils pouvaient diagnostiquer des maladies et guérir des maladies avec le pendule. Hein, vous connaissez tous le professeur Tournesol, j'imagine. Eh bien, ces radiesthésistes, en fait, on peut soit les considérer comme inefficaces, un petit peu farfelus, etc., ou alors, au contraire, regarder dans quel contexte ils produisent leurs pratiques et constater notamment que ils font en fait partie de tout un intérêt pour la circulation des ondes. Hein, c'est la grande période d'intérêt pour la radio, ce qu'on appelle la TSF. Donc tout le monde est complètement attiré, fasciné par les ondes de tous ordres. On s'intéresse aux couleurs, hein, qui sont aussi des ondes. Eh bien là, il y en a quelques-uns qui se disent « bon, bah, le corps doit dégager des ondes ». Ils vont reprendre les vieilles techniques des sourciers, hein, vous savez, ceux qui cherchent les sources hydrologiques sous le sol à partir de leurs baguettes de sourciers, qui sont d'ailleurs redevenues à la mode. Hein, j'ai vu ça avec les temps de sécheresse que nous connaissons. Donc ça c'est un métier d'avenir, hein. Je pense que vous pouvez vous lancer là-dedans. Et puis qui vont essayer d'inventer des méthodes de diagnostic en baladant des pendules, alors parfois sur les parties du corps, mais parfois sur des planches anatomiques pour diagnostiquer et trouver le bon remède. Donc voilà, encore une fois, ça a duré très peu de temps, ça a été considéré comme efficace dans un certain milieu, mais surtout en fait parce qu'on était dans une période où on découvrait les ondes et où on se disait « mais il y a des ondes partout ». Et donc nos corps dégagent des ondes, la maladie dégage des ondes et on peut utiliser ces ondes. Donc voilà un petit peu pour vous expliquer ma démarche, avant que j'en vienne au détail, à partir donc de deux exemples. Je vais vous parler de l'histoire de l'électrochoc et je vais vous parler de l'histoire de la psychochirurgie, ou autrement appelée lobotomie. D'abord un petit mot sur les archives. Je sais que vous avez toute une réflexion sur les archives, sur les sources de réflexion. Donc moi je travaille à la fois sur des archives classiques quand je travaille sur l'histoire des pratiques, c'est-à-dire ça peut être des rapports médicaux, des rapports administratifs, des archives on va dire institutionnelles, mais ce qui m'intéresse beaucoup c'est de plonger dans les dossiers de patients qui ont été archivés dans les hôpitaux psychiatriques depuis le 19e siècle et qui sont une mine d'or, notamment pour voir comment les patients perçoivent ces applications pratiques. Et ça permet de, bah, justement de changer un petit peu le point de vue, de changer un petit peu le récit, si vous voulez, non plus de s'intéresser seulement aux découvertes scientifiques qui mènent à l'instauration de pratiques, mais aussi à la réception par les patients de certaines de ces pratiques. Donc des archives à la fois classiques et puis des archives moins classiques, encore qu'elles soient devenues vraiment très très classiques maintenant, sont très utilisées. Voilà, je vous en ai mis quelques exemples. Donc c'est des kilomètres d'archives, hein. Les hôpitaux sont les institutions qui produisent le plus d'archives en France, probablement une des institutions. Donc des kilomètres d'archives, donc il faut procéder par sondage forcément, il faut avoir une stratégie de recherche dans les dossiers, dans les registres d'admission, les registres de la loi. Et puis vous pouvez tomber sur deux types par exemple de documents que je vous ai mis en lien avec ce que je vais vous raconter. Ça peut être des formulaires d'autorisation comme vous voyez à droite, c'est-à-dire où on demande à la famille si on autorise une lobotomie sur un patient. Et puis ça peut être ce que vous voyez qui est un peu plus cabalistique peut-être pour vous, l'espèce de petit brouillon au,
au milieu, enfin brouillon non, parce que c'est bien surligné quand même, avec des petits stylos roses, c'est les séries d'électroplexie, c'est-à-dire les séries d'électrochocs, puisque l'électrochoc ne s'applique pas une seule fois, mais s'applique en série, souvent de 12 ou plus en quelques jours. Donc voilà les traces, moi qui m'intéresse beaucoup de travailler, des traces très très précises de l'application de ces pratiques, et puis des traces qui permettent aussi de dire ce que les patients en ont pensé. Alors l'électrochoc, alors l'histoire des débuts de l'électrochoc est super bien connue, hein, ça commence à la fin des années 30, ce sont des Italiens, Cerletti et Bini, qui font des expériences dans les abattoirs, hein, sur des porcs notamment, et qui vont développer un dispositif d'électrochoc que vous avez représenté ici de manière différente dans les deux images de droite avec la machine, et puis une représentation graphique qui vient des fonds d'archives de l'asile du Mans, c'est comment les infirmiers des années 70 se représentaient encore les séances d'électrochoc. Il faut savoir que l'électrochoc a été une mode et s'est implanté très rapidement dans les institutions hospitalières. En quelques mois, tous les hôpitaux psychiatriques français se sont mis à pratiquer l'électrochoc en 1942, en pleine guerre. C'est pas forcément très très connu. Et tous à partir d'une même machine qui est le sismotère, ce qu'on appelle le sismotère, c'est-à-dire... L'électrochoc, c'est provoquer une espèce de crise épileptique, hein, de sismotère, donc de tremblement, de crise très très puissante, très rapide, de la pipe et ronde-pierre. Donc ça, c'est 1942. Alors, on pourrait dire, bon, bah, l'électrochoc, c'est efficace, point, ça provoque une crise d'épilepsie, ça génère des troubles de la mémoire, en fait, ça fait oublier... chez certains patients, les dernières heures, les derniers jours, voire les dernières semaines. Et donc, bah, dans certaines applications, notamment pour les patients très mélancoliques, ça peut être très, très efficace et on pourrait s'arrêter là. Or, moi, ce que je pense, c'est que l'histoire est plus complexe. Si ça a été considéré comme efficace, c'est parce que ça arrive à un moment donné de l'histoire de la psychiatrie. En fait, l'électricité médicale, je vous en ai dit un mot, puis je vous en mets deux images ici à gauche, c'est connu depuis longtemps. Je vous ai parlé des abbés du XVIIIe siècle qui pratiquaient l'électricité médicale, y compris pour la folie. Hein. Avec la bouteille de LED, on pratiquait déjà des espèces de petits chocs, peut-être moins intenses, mais sur des patients dès le XVIIIe siècle. Et puis, pendant la Première Guerre mondiale, c'est la deuxième image, les soldats qui présentaient des troubles hystériformes, trembleurs, mutiques, etc. On a aussi essayé l'électricité sur eux en développant de nouvelles pratiques, notamment ce qu'on appelait le torpillage, hein, qui était un courant extrêmement violent, extrêmement impressionnant, qui était destiné en fait à convaincre un soldat qui, par exemple, présentait des paralysies ou qui se tenait à angle droit, hein, c'était ce qu'on appelait la camptocormie. Bah, s'il subissait un choc électrique, s'il se redressait, bah oui, vous n'êtes pas malade. Vous vous redressez, vous n'êtes pas paralytique, votre bras fonctionne, etc., etc. Donc il y avait plein de pratiques, en fait, avant les années 30, avant l'électrochoc, en psychiatrie également. Or, à mon sens, l'électrochoc, avec ce nouveau dispositif qui figure ici à droite, il fonctionne pendant la Seconde Guerre mondiale et surtout après la Seconde Guerre mondiale parce qu'il est dans un nouveau contexte psychiatrique particulier. Quel est ce contexte? Il est d'abord dans le contexte d'essor de ce qu'on appelle les services libres. Je ne sais plus si je vous ai mis une petite image, non, je ne vous ai pas mis d'image là-dessus, on parlera après de ça. Alors les services libres, qu'est-ce que c'est? En fait, avant que je dise ce que c'est que les services libres, il faut que je vous explique comment fonctionne la psychiatrie à cette époque-là. C'est très très différent d'aujourd'hui. La manière dont une personne peut entrer à l'hôpital psychiatrique au 19e siècle jusque tard dans le 20e siècle, c'est toujours de deux façons. Soit par un acte d'autorité administrative, c'est le préfet, hein, qui fait ce qu'on appelle un placement d'office,
Soit c'est ce qu'on appelle un placement volontaire, mais qui n'a rien de volontaire, qui est un placement en fait à la demande d'un tiers, à la demande des familles, à la demande des médecins, etc. etc. Il n'y a pas de placement libre. Aujourd'hui, alors ça a un peu changé les statistiques depuis quelques temps, mais 80-90% des placements en hôpital psychiatrique sont des placements libres. Hein, c'est-à-dire, ils ne sont pas sous contrainte. À l'époque, ça n'existe pas. Hein, il n'y a pas de placement libre, c'est toujours sous contrainte. Là, la nouveauté, c'est qu'à partir des années 1930, le Front populaire, et puis encore plus après, on a une politique de développement des services dits libres, c'est-à-dire des services psychiatriques dans lesquels on peut être soigné sans être interné, sans être sous la contrainte, sans être interné des années et des années. C'est-à-dire des services dans lesquels vous venez une semaine, 15 jours, 3 semaines, et vous ressortez libre. Or, précisément, ces services libres, ils fonctionnent beaucoup grâce à l'électrochoc. Hein, c'est l'électrochoc qui est la clé de voûte de ces services libres développés dans les années 1930 et plus encore dans les années 40 et 50. Donc il y a déjà un facteur institutionnel, si vous voulez, important. Le deuxième facteur, il est économique. Faire un électrochoc, ça coûte que dalle. Alors aujourd'hui, ça coûterait plus cher avec le prix de l'électricité, c'est sûr. À l'époque, ça coûte rien. Il y a un psychiatre très célèbre à l'époque, il a commencé, c'est un des fondateurs de la pédopsychiatrie, il s'appelle Georges Heuer. Lui, il défend l'électrochoc dès la Seconde Guerre mondiale et il explique que ça permet d'économiser 90% des frais engagés hein, pour un patient. 90%. Donc là, vous avez un deuxième facteur majeur qu'on cite rarement, important, c'est le nerf de la guerre, c'est est-ce que ça coûte cher ou pas ? Ça c'est intéressant, notamment si on compare les différentes pratiques. À cette époque-là, je vous cite là que l'électrochoc, mais il y a plein d'autres de cures de choc développées dans les années 30 et 40. Il y a par exemple une cure qui marche très très bien dans les cas de psychose, c'est ce qu'on appelle la cure de l'insulinothérapie, la cure de Sackel. En fait, c'est un truc qu'on ne peut plus comprendre aujourd'hui. Hein. On met un patient qui n'est pas diabétique, il est psychotique, il n'est pas diabétique, on lui donne de l'insuline. Donc vous savez tout de suite ce qui va lui arriver, il va tomber dans un coma, un coma extrêmement profond, dont il faut le faire sortir, sinon il meurt, hein, en le resucrant. Donc on met quelqu'un volontairement dans un coma, et puis on le sort de son coma en le resucrant, en lui donnant du café au lait, etc. La cure marche super bien, c'est efficace, simplement comme c'est dangereux. Il faut qu'il y ait du monde autour. C'est pas comme l'électrochoc où on peut faire ça presque tout seul. Hein. Et même si on n'est pas qualifié, c'est pas bien grave. Là, il faut être 4 ou 5 autour de la personne quand on est dans une phase d'insulinothérapie. Donc là, vous voyez bien, on a dans l'efficacité, il y a aussi le rapport, je dirais, à ce que ça coûte en termes institutionnels. Dans un cas, il y a une personne à peine qualifié, dans un autre cas, il faut être 4 ou 5, il faut surveiller longtemps, et donc la cure de Sackel, alors elle ne va pas s'arrêter tout de suite, mais bah, elle va être considérée comme moins efficace, parce que plus coûteuse. Alors l'électrochoc, ça marche aussi, parce que c'est hyper simple d'utilisation. Vous, vous êtes des ingénieurs ou apprentis ingénieurs, je suis sûr qu'en 10 minutes, vous savez faire un électrochoc avec un petit copain. C'est pas une incitation, hein. Mince, c'est enregistré en plus. C'est hyper simple. Alors au début c'est un peu compliqué parce qu'en fait les médecins se baladent avec des espèces de rallonges pas possibles en traversant les pavillons, puis assez rapidement on va faire des salles spécialisées électrochocs, c'est ce que vous voyez dans les films hein, les films américains où on voit des électrochocs, on voit qu'il y a une salle spécialisée, on voit qu'il y a des personnels spécialisés, et puis on va transporter ces sismotères progressivement, donc tout ça va se miniaturiser, va se déplacer. La manipulation est hyper simple. Alors ça tombe bien, parce que les hôpitaux psychiatriques des années 40, il n'y a pas beaucoup de personnel médical. Hein. À l'époque, par exemple dans l'hôpital psychiatrique du Mans sur lequel j'ai travaillé, il y a 2 médecins pour 1000 patients. 2 médecins pour 1000 patients. Donc s'il y en a un qui est occupé à faire l'électrochoc, bah, il y en a un pour 1000 patients. Et puis si là il est en congé, bah, il n'y a plus personne. Donc,
C'est facile, l'interne peut le faire, voire un personnel, voire les religieuses, par exemple, au Mont, vont devenir les spécialistes de l'électrochoc. Autre facteur intéressant de développement de l'électrochoc, c'est l'image que ça donne de l'institution. Hein, vous le savez bien, l'asile, puis l'hôpital psychiatrique, on parle d'hôpital psychiatrique à partir de la fin des années 30, hein, le mot apparaît, il est même, il apparaît dans la loi, hein, 1937. Souvent, l'asile a eu une image assez déplorable, notamment une image, je dirais, de passivité thérapeutique, hein, comme si on posait les gens là sans rien faire. C'est entièrement faux, hein. Il faisait plein de choses, mais ça a eu cette image assez déplorable. Or, avec l'électrochoc, il y a plein de médecins qui disent « Ah, enfin, quand on va faire ça, on va nous voir en train de faire quelque chose. Hein, c'est visible, hein, c'est soudain, c'est un moment, et en quelque sorte, on va pouvoir transformer l'image de l'hôpital psychiatrique en utilisant ce type de pratique. » Et donc, c'est bien pour les soignants aussi. Si vous voulez, ça rentre dans les facteurs. Les soignants, ils n'aiment pas faire des trucs qui ne servent à rien. Ils n'aiment pas faire des trucs barbares. Regardez tous les débats sur la contention aujourd'hui. Bah, la contention, on est obligé d'y revenir parce qu'on n'est pas assez nombreux. Hein, c'est efficace quand on n'est pas assez nombreux. Eh bien, là, c'est pareil. Les soignants, et vous allez voir aussi pour l'image des patients, c'est vrai, les soignants, ils ont l'impression qu'ils sont plus actifs, hein, dans la thérapie. Il y a un certain nombre de soignants, par exemple, qui disent « Mais en fait, l'électrochoc, c'est faire, c'est efficace, mais c'est surtout efficace pour faire de la psychothérapie. » C'est-à-dire, il y en a qui disent « En fait, c'est pas efficace en soi, mais c'est un choc, et ce choc permet de ramener le patient dans une relation psychothérapeutique possible. Hein, » Donc, vous voyez, c'est aussi tout un ensemble. Si on ne fait pas de psychothérapie, bah, l'électrochoc, il a moins d'intérêt pour certains soignants. Pour ceux qui en font, bah, ils font un choc et c'est un moment, un moyen, on va dire, de rentrer en relation avec le patient. Alors, qu'en est-il de l'image à l'extérieur de l'institution maintenant ? Alors, évidemment, si votre source principale d'information, c'est vol au-dessus d'un nid de coucou, l'image de l'électrochoc, c'est pas cool. C'est pas du tout l'image qui existait avant. Moi-même, j'ai été choqué, si j'ose dire, je suis désolé la métaphore, mais j'ai été vraiment interpellé par les sources lorsque je les ai lues et que je voyais qu'en 42, autour de l'asile du Mans, il y avait des rumeurs qui disaient « ça y est, c'est génial, on a trouvé un remède miracle, il faut que nos patients aient tous l'électrochoc hein, ». Il y avait des familles qui demandaient l'électrochoc pour leurs patients parce que ça passait pour un remède miracle. Hein. Donc là, les familles, la société a participé en quelque sorte à une aura médiatique importante. Alors, qu'en est-il réellement? Je vous ai mis quelques extraits de témoignages de nature diverse sur comment on vit l'électrochoc. Alors d'abord, il y a un médecin qui s'appelle Henri Berceau qui a testé sur lui-même assez vite, en 1942, l'électrochoc. Hein, c'est bien quand les médecins testent eux-mêmes les techniques, ça permet quand même d'avoir une pratique consciente de la thérapie. Et Henri Berceau, alors il a un très très long texte, hein, je peux vous donner que quelques lignes. Sa description est assez terrifiante, lui-même est assez terrifié du résultat. Alors il fait plusieurs séries d'électrochocs, parce que l'électrochoc, on peut varier l'intensité de l'électrochoc, la durée de l'électrochoc. Ça peut durer une demi-seconde, une seconde, l'intensité peut varier aussi. Et lui, il explique que le choc électrique vu du dedans est beaucoup moins anodin que vu du dehors. Les troubles de la mémoire et de la conscience qu'il provoque sont graves. C'est-à-dire que lui, sur les petits électrochocs, il perd toute la mémoire de ce qu'il a fait dans les dernières heures. Et puis dans les gros électrochocs, il ne se souvient plus de trucs d'il y a plusieurs semaines. Donc il est vraiment désorienté. Et donc il a, avec certains de ses collègues, ils ont... Une représentation de l'électrochoc qui est très très différente, qui est des fois plus négative que celle de certaines familles de patients. Alors les patients, ben, je vous ai extrait deux textes. D'abord un texte qui vient d'un dossier que j'ai étudié, donc Mathurine, elle, admise en 1947 à Maison-Blanche, elle a 17 ans,
Et elle, une fois qu'elle a subi l'électrochoc, elle dit « Moi, je ne veux plus de vos traitements électriques. Oui, avant, je ne parlais pas, mais je pensais, et maintenant je parle, mais je ne pense plus. Hein, » ça, c'est intéressant. C'est efficace en quelque sorte, mais pour la patiente, ce n'est pas efficace du tout. Elle a perdu ses capacités de penser. Et puis un écrivain qui a été interné à Sainte-Anne, Abraham Schwartz-Abris, a donné lui aussi un témoignage assez intéressant, dans lequel il explique son expérience de l'électrochoc. Je vous ai mis là aussi quelques lignes, mais ça fait des pages hein, dans le récit. « Une atroce douleur tenaille mon ventre, quelque chose s'est tordu dans mon intérieur, quelque chose tire avec force les testicules bloqués pour les remonter dans le ventre. Mortelle, surhumaine, la douleur m'ôte l'existence présente. Ma mère, depuis longtemps incinérée, est près de moi, j'ai de la peine à ouvrir les yeux. L'intérieur des paupières est tamponné à sec, les narines, la gorge sont croûteux et cassants, la bouche aussi, quoi qu'il en sorte, une benzine mousseuse. Je me demande où je suis et ce qui se passe. » En fait, il se réveille sur son lit et il ne sait pas ce qui s'est passé et redécouvre progressivement ce qui s'est passé. Donc, c'est une expérience angoissante. Ce n'est pas la plus angoissante de tous les chocs. La pire angoisse, c'est probablement le choc chimique au cardiazol, hein, qui donne des descriptions terribles, mais je n'ai pas le temps de vous en parler, et qui va être rapidement abandonné, pas seulement pour cette raison, mais notamment pour cette raison. Mais en quelque sorte, ce qui peut paraître effrayant là, dans ces témoignages, va aussi en faire la popularité dans la presse lorsqu'on parle de l'électrochoc. Hein, il y a une enquête, il y a plusieurs enquêtes, hein, je n'ai pas retrouvé toutes les enquêtes, j'en cite une ou deux, dans le Petit Parisien, en 1943, on est quelques mois après les débuts de l'électrochoc en France, un journaliste qui s'appelle Edmond Tourgis, donc vous avez le titre de son enquête, hein, « Les chemins de la folie de sa guérison par l'électrochoc ». Lui, il va récupérer les témoignages des patients qui sortent de la cure par électrochoc, et lui, il est beaucoup plus favorable. Hein, qu'est-ce qu'il dit dans son enquête? Il dit la chose suivante: on ne sent rien, on ne sent rien, quand on vient de voir les témoignages un peu plus compliqués, on ne se rappelle rien. Donc, tout va bien dans ces récits médiatiques qui vont contribuer à la popularité de l'électrochoc pendant la guerre et après la guerre. Il y a un autre journal, alors je vous ai pas mis le titre, mais c'est aussi un journal assez populaire qui s'appelle Le Journal, en 1944, qui explique, j'ai trouvé cette métaphore absolument géniale, qui explique que se faire faire une cure d'électrochoc, c'est comme aller chez le dentiste. Donc là, on est arrivé à un niveau de normalisation dès 1944 qui est assez impressionnant. Bon, ça fait peur d'aller chez le dentiste, hein, mais on peut y aller quand même assez régulièrement. Donc une pratique accessible, une pratique rapide, une pratique assez miraculeuse, c'est ce que la presse développe dans ces années. Ce qui explique qu'assez rapidement, dans certains hôpitaux psychiatriques, on va développer massivement cette pratique qui était encore expérimentale en 1942, dans certains services, on va appliquer, et ça c'est souvent le cas en psychiatrie, un truc marche, un truc sans marcher, on l'applique à tout le monde. Hein, on l'applique à tout le monde, donc on a des essais d'électrochoc sur les enfants, et on va généraliser, ou tenter de généraliser, la pratique. On va même tenter d'inventer quelque chose d'assez amusant, c'est l'électrochoc portable pour aller faire des électrochocs à domicile. Hein, vous voyez, on est 10 ans après l'invention de l'électrochoc en France, on est au début des années 50, et il y en a qui se disent, en fait, ça marche tellement bien qu'on va complètement transformer la prise en charge. On avait des services libres, on va aller plus loin, c'est-à-dire on ne va plus amener les gens à l'hôpital, mais on va inventer un électrochoc portatif en sac à dos. Donc je vous ai mis un petit extrait du texte de ceux qui ont inventé ce truc, Royer et Béis. Ils appellent ça le dynamotère. Je n'ai pas retrouvé d'image. Hein, ils expliquent que les préparatifs du choc sont réduits à néant et l'opération à la célérité d'un flash. Il n'y a plus cette mise en scène de l'électrochoc si traumatisant pour les patients émotifs. Alors qu'en fait, comme ils vont chez les gens,
Ils se disent, on n'aura plus ce que vous voyez dans les films américains des années 50, 60. On n'a plus cette mise en scène un peu, cette queue de gens qui attendent pour l'électrochoc. Hein, c'est hyper rapide, c'est à domicile, vous êtes familier. Et eux proposent, inventent une espèce de sac. C'est à peu près comme un sac photographique. C'est pas très gros, c'est assez léger. Ça fait quelques kilos, je sais plus, 6 ou 7 kilos, je crois. Et on peut se balader chez les gens pour le faire. Donc, vous voyez, alors ça, c'est typiquement l'histoire de la psychiatrie. On invente un truc, c'est un peu empirique. À l'origine, on ne sait pas trop ce qui marche dans l'électrochoc au sens médical du terme. Mais on constate que ça marche chez certaines personnes. On va le développer chez toutes les personnes de l'hôpital psychiatrique. Et puis après, on va fantasmer sur la massification de cette pratique qui permettrait de transformer complètement la prise en charge psychiatrique. Et alors, les chiffres, je ne vous les donne pas en détail parce que je n'ai pas le temps, mais c'est vraiment massif, hein. Il y a dans les hôpitaux psychiatriques des séries d'électrochocs sur la plupart des patients, on va dire, ceux chez qui on peut le faire, hein, ceux qui vont être accessibles à cette pratique, mais on a des séries, ça devient massif, au point que certains soignants considèrent qu'on est en train de mécaniser le soin psychiatrique, hein, qu'on est presque rentré dans une taylorisation du soin psychiatrique avec l'adoption de l'électrochoc. Hein, y a un psychiatre qui s'appelle André Belet, qui travaille à Aix-en-Provence, et qui dit « Mais moi, maintenant, j'ai l'impression de travailler dans une usine thérapeutique. » Une usine thérapeutique. Alors, on est passé à un âge vraiment très, 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 très efficace. Alors, il y a une catégorie de patients chez lesquels ça ne marche pas très très bien, c'est ceux sur lesquels j'ai travaillé moi, dans un travail que j'ai publié il y a quelques années, sont les patients diagnostiqués schizophrènes. Et donc, chez ces patients qui résistent un petit peu à tout, en fait, on va tenter une nouvelle pratique sur laquelle je serai évidemment moins long pour ne pas déborder. Du temps imparti, c'est ce qu'on appelle la psychochirurgie. Et l'objectif, donc je vous ai mis la référence du bouquin dans laquelle je parle de ces questions. La grande question qui se pose au sortir de la Seconde Guerre mondiale et dans les années 50, c'est comment on va faire pour réduire ce qu'on appelle le vieux fond schizophrénique. J'aurais dû mettre des guillemets parce que c'est une citation. C'est une citation d'une de mes archives, le vieux fond schizophrénique des institutions psychiatriques, c'est-à-dire ceux qui restent encore dans l'hôpital alors qu'on leur a appliqué tout un ensemble de thérapies, notamment de choc, électrochoc, la cardiazol-thérapie, la pyrothérapie, la thérapie par la fièvre, la malaria-thérapie, etc., etc. Qu'est-ce qu'on fait avec eux ? Eh bien, eux et elles surtout, vont être l'objet prioritaire de ce qu'on appelle la psychochirurgie et que vous connaissez sous le nom de lobotomie. Donc là aussi, c'est très connu, hein, l'inventeur de la technique est Egas Moni, c'est Almeida Lima, à la fin des années 30, c'est contemporain de l'électrochoc, qui invente donc cette technique d'intervention chirurgicale au niveau préfrontal du cerveau. Alors là, c'est les images semblent assez complexes, mais rapidement, on va développer des techniques extrêmement efficaces et rapides, notamment aux États-Unis, où on fait des lobotomies à la chaîne et des lobotomies notamment en camion ambulant. Hein. Là, vous avez la pratique de Freeman et Watts, qui est illustrée, qui est la pratique la plus rapide pour... intervenir sur le cerveau. Un certain nombre de spécialistes français vont aussi devenir réputés dès la fin des années 40. Il s'agit de Marcel David et Jean Talleyrac. Alors, si on écoute les tenants, les inventeurs de la psychochirurgie et de la lobotomie, c'est pas très compliqué.
c'est pas très très compliqué d'intervenir, c'est pas très complexe, même s'il faut quand même l'intervention ici d'un chirurgien dans tous les cas de figure. Et c'est d'ailleurs ce qui va rendre la technique pas efficace au départ, hein, parce que les spécialistes sont peu nombreux, et que pour la France, ils sont essentiellement parisiens. Donc, comment on a fait? Bah, dans un premier temps, on a transféré les patients des hôpitaux de province vers Paris, notamment vers Sainte-Anne, pour réaliser des opérations psychochirurgicales. Et puis, dans un deuxième temps, on a opéré différemment, on a rendu plus efficace la pratique en faisant quoi? Bah, en faisant des tournées. C'est-à-dire, c'est les chirurgiens qui se sont mis à faire des tournées en province et on a créé des lieux d'opération dans les établissements de province pour multiplier, accélérer le nombre de lobotomies dans les hôpitaux psychiatriques français. Donc, vous voyez, là, la notion, c'est la même pratique, mais en fait, le dispositif n'est pas le même. On va le rendre efficace en quelques années. En quelques années, on va pouvoir réaliser un bon millier d'opérations chirurgicales dans les hôpitaux de province, alors pas tous, mais une bonne partie. De la même manière que pour l'électrochoc, et après un constat empirique, on va étendre l'indication de la psychochirurgie à d'autres catégories, après les schizophrènes, les enfants arriérés, par exemple. Pourquoi c'est considéré comme efficace? Parce que les médecins de l'époque sont complètement bloqués par des pavillons entiers constitués de patients chroniques, notamment schizophrènes, dont ils ne savent pas trop quoi faire. Donc certains mettent en place une forme d'ergothérapie, une forme de sociothérapie. On les fait sortir, on les fait travailler, on leur fait faire des activités. Hein, pour la petite anecdote, au Mans, la grande activité des années 50, c'est casser du verre de couleur pour pouvoir faire des grands décors au sol pour la procession de la fête Dieu. On est dans les années 50, on est dans un hôpital public et c'est les religieuses qui font l'ergothérapie avec les patients chroniques et qui font un truc tout à fait impressionnant quand on regarde des films Super 8 qu'on a retrouvés pour ces années 50. Donc, on peut faire de l'ergothérapie, on peut faire de la sociothérapie. Et puis, il y a ceux qui pensent qu'il faut être plus énergique, plus actif, et il faut faire de la psychochirurgie, notamment pour ceux qui ne sont pas sensibles, suffisamment sensibles aux électrochocs dont je viens de parler. Alors, médiatiquement, je n'ai pas trop le temps de développer. Médiatiquement, c'est un petit peu pareil que l'électrochoc. On en parle moins quand même, hein. Il y a beaucoup moins de textes sur la lobotomie. Mais là, vous avez une petite BD qui vous explique comment c'est facile de faire cette opération chirurgicale. Alors, un des facteurs, à mon sens, qui explique que ça se que ça a pu se développer, c'est que là aussi les familles ont été d'accord la plupart du temps pour ces opérations. Bah, d'abord parce qu'elles ont été soumises à un certain argumentaire médical. Alors on a des formulaires d'autorisation, je vous en ai montré en introduction. Ces formulaires sont souvent accompagnés de lettres d'explication du médecin. Je sais plus, oui, je vous en ai cité une ici à gauche, hein, qui date de. J'ai pas mis la date ici sur mon texte, c'est pas bien. J'ai la date, j'ai pas mis la date, mais on est à la fin des années 40, on est au Mans. Voilà, monsieur, votre malade reste dans un état psychique toujours très sérieux, les traitements médicaux n'ont rien donné. Donc là, on parle des chocs, essentiellement. Il est possible qu'un traitement chirurgical, lobotomie, lui amène une grande amélioration. Si vous acceptez qu'on tente une lobotomie chez votre malade, veuillez s'il vous plaît signer la demande ci-joint. Et c'est tout. Donc il y a assez clairement une grande acceptation des familles de patients lorsqu'ils ont à donner. C'est le contraire de l'électrochoc. L'électrochoc, je n'ai jamais trouvé de formulaire d'acceptation.
Je pense qu'on ne demande pas l'autorisation. Ici, pour la psychologie, pour la psychochirurgie, on demande l'autorisation et c'est toujours accepté. C'est toujours accepté. Et souvent de manière assez positive, hein, en disant, bah oui, s'il y a un espoir, effectivement, si comme vous dites, c'est pas dangereux, que c'est rapide et que c'est pas douloureux, bah allons-y. Donc il y a aussi un élément important. Je vous ai mis un autre exemple dans le même ordre d'idée de 1952, ici à droite. Dans le cas de Morgan C, hein, je vous précise que Morgan, mariée sans enfant, devenue veuve, a également perdu ses parents et grands-parents à l'exclusion de moi-même, seule grand-mère maternelle. En ma qualité de seul responsable direct, je vous donne mon accord sans réserve en vue de faire subir dès que possible à ma petite fille une lobotomie, seule susceptible d'améliorer son état. Donc là, la personne, elle a vraiment intégré le discours des médecins de manière assez claire. On ne sait pas trop hein, ce que ça va les familles de cette opération, mais en tout cas, voilà, tous les acteurs du soin là baignent dans une même interprétation très optimiste des choses. Et de fait, la lobotomie, on l'a un peu oublié, hein, a été l'objet d'un large consensus à la fin des années 40 et au début des années 50. Et on trouve encore très tard dans les années 50, au milieu des années 50, des médecins qui considère que lutter contre la lobotomie, c'est faire œuvre de prise de position anti-médicale. Donc la médecine, hein, le progrès de la médecine, c'est également la lobotomie. Et en 55, on trouve encore des textes, même si très clairement, la mode retombe après 55. Hein, il y a de moins en moins de lobotomie, même si bon, on dit souvent, bon, la lobotomie, l'histoire s'est terminée en 54. On trouve encore des traces de lobotomie à la fin des années 60 dans certains hôpitaux psychiatriques. Donc, je conclue rapidement. On a une approche, hein, vous voyez, une approche globale des pratiques, des techniques de soins qui peut s'étendre à plein d'autres pratiques. On pourrait faire la même chose pour l'hydrothérapie au 19e siècle. On ne sait d'ailleurs pas quand est-ce que ça s'est arrêté. Et on pourrait faire, je l'ai fait à un autre endroit, la même chose pour les neuroleptiques retards qui se sont développés à la fin des années 60 parce que tout simplement, on s'est retrouvé coincé. On a fait sortir les patients à partir des années 50 et 60 avec des neuroleptiques sous forme comprimée. On vous en a parlé tout à l'heure, Jean-Claude Dupont vous en a parlé. Mais sauf que si vous faites sortir un patient avec ses comprimés, bah, il redevient libre de les prendre ou pas. Hein, et souvent, bah, il les prend ou il les prend pas, ou il les prend irrégulièrement, ou il les donne aux cochons, etc. Donc, on a comme ça une histoire des techniques qu'il faut comprendre de manière globale et qu'il faut comprendre les unes par rapport aux autres. Hein, il n'y a pas de neuroleptique retard, évidemment, si quelques années auparavant, il n'y a pas la sectorisation qui a pour but de faire sortir les patients chroniques avec des neuroleptiques. Donc c'est aussi une manière de penser les choses. Voilà, et on peut le faire à partir de plein d'autres techniques. Merci pour votre attention. Donc si vous avez des questions, si on a encore de temps pour des questions, bien volontiers, j'y répondrai. Oui. Ouais. Ou alors est-ce que c'est quand même de chercher? Alors un petit peu partout, non, parce que moi j'ai qu'une vie en fait. Je suis un être humain, hein, je suis pas un chat GPT avec des capacités d'intelligence artificielle démesurées. Donc en fait, l'historien, quand il travaille dans des sources comme ça, il doit faire des choix stratégiques. Il a un temps de vie limité, il sait qu'existe tel et tel fonds, et donc il va sélectionner des fonds. Moi, pour mon travail sur la schizophrénie, j'en ai choisi 5 en France. Donc, il n'y a pas que la Sarthe qui est un beau département, il y a la Haute-Saône, il y a l'Orne, il y a l'Hérault, etc. Il y a la région parisienne. On fait aussi avec ce qui est accessible.
Parce que moi, je travaille sur des archives qui ne sont pas vous, qui vous sont pas accessibles. Moi, je travaille sous dérogation à la loi parce que les dossiers médicaux sont les archives les plus protégées de France, à part les plans des centrales nucléaires. 120 ans à partir de la naissance de la personne. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas travailler sur le XXe siècle, sauf dérogation à la loi. Donc, ça, c'est la France. Hein. Il y a des lois extrêmement strictes, mais on peut avoir des dérogations à la loi. En tout cas, heureusement, parce que sinon, on ne peut pas faire cette histoire-là. Donc, moi, tous mes collègues qui travaillent sur la psychiatrie du XXe travaillent avec des dérogations. Et tous mes collègues ont des stratégies qui parfois diffèrent. Donc, moi, comment j'ai fait ? J'ai décidé de travailler sur les patients schizophrènes. Donc, je repérais dans les registres de la loi de plusieurs établissements de France le mot démence précoce, schizophrénie, hébéphrénie, etc. Cette démence juvénile, quoi, comme on la caractérisait. Et après, j'allais chercher dans les dossiers patients les histoires correspondantes. Mais je le faisais, je ne peux pas faire ça sur tous les hôpitaux et même sur un seul hôpital, ça ne serait pas possible. Donc, j'ai adopté une stratégie que j'explique au début de mon bouquin, hein, et j'ai dit, je fais par sondage, c'est-à-dire, je vais faire, par exemple, tous les 7 ans, je vais faire 22, 29, 30, je ne sais plus comment calculer, hein, bref, vous m'avez compris. Et donc, voilà, donc c'est une démarche empirique, mais qui a aussi des méthodes scientifiques et qui est adaptée au temps disponible de l'historien. Là, on peut se perdre dans une archive comme ça. C'est monstrueux. Hein. C'est vraiment une archive immense, en fait. Et donc, il faut adopter des stratégies. Ça peut être, moi, j'ai des collègues qui font, bah, moi, je prends le premier dossier de chaque carton. Il y en a qui font des trucs par lettre. Je prends la lettre B, la lettre C, la lettre D, etc. Il faut juste expliquer après comment on fait. Comme ça, on sait si c'est recevable ou pas. Ah, pardon. J'avais dit monsieur devant, mais. Alors, c'est qui est-ce qui intervient ? Ouais, allez-y. Alors, l'électrochoc, oui. Alors, on ne l'appelle plus électrochoc. On appelle ça sismothérapie. Et ce n'est pas pratiqué à l'hôpital psychiatrique, c'est pratiqué à l'hôpital général et sous anesthésie. Parce que j'ai oublié de vous dire aussi au début de l'histoire, c'est sans anesthésie. Et puis après, on va instaurer l'anesthésie au curare, ce qui fait que ça va devenir de plus en plus efficace. Donc, pour l'électrochoc, oui, et c'est toujours considéré comme efficace pour les grands états dépressifs, mélancoliques, résistants aux neuroleptiques, par exemple. Donc ça, oui. Pour la lobotomie, non. Mais par contre, on a, je me demande si Astrid Sevens en a pas un petit peu parlé, on a des interventions sur le cerveau maintenant qui sont un petit peu différentes. Avec des implants, des électrostimulations. Donc, ce n'est plus de l'électrochoc, mais c'est de l'électrostimulation interne du cerveau. C'est un peu plus fin, on va dire. Mais là, je ne connais pas grand-chose. Il y a eu des travaux là-dessus. Je ne sais plus qui a fait ça. Alors, oui, monsieur, vas-y. Ouais. Alors, je ne suis pas certain qu'il y ait eu un espèce d'état des lieux au sein de la psychiatrie sur la lobotomie. Souvent, c'est comme ça en psychiatrie, c'est on a une découverte empirique, on bombarde, on massifie, puis après on passe à autre chose, et puis il n'y a pas de bilan. Par contre, si on regarde, nous, historiens, le résultat, moi je l'ai fait justement avec l'hôpital du Mans, parce que j'avais accès à toutes les archives, facilement, et aussi parce que les médecins du Mans étaient férus hein, de lobotomie. Ils ont publié en fait des articles sur la lobotomie, notamment des patientes schizophrènes sartoises, donc beau département, comme vous dites. Et c'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est-à-dire l'état des. Pour une personne un petit peu améliorée qui va être moins agressive, il va y avoir énormément de personnes qui sont. Complètement à l'état de légumes et qui n'ont plus aucune émotion, en fait. Et donc, la statistique que je peux produire à partir de mes archives est catastrophique. Simplement, c'est un espèce de phénomène mondial. On sait que la plupart des gens lobotomisés à la fin des années 40, ce sont des femmes schizophrènes. 80% dans le monde entier. Alors ça, il faudrait faire des études. Mais j'ai comparé avec des études de mes collègues en Israël ou dans d'autres endroits, en Argentine, c'est la même chose, c'est la même sociologie.
Donc, sociologiquement, des femmes schizophrènes ont été massivement lobotomisées à la fin des années 40. Non. Alors, il n'y a pas de prédominance pathologique avérée aujourd'hui. C'est vrai que si vous regardez ce qu'on dit de la schizophrénie, on dit grosso modo, c'est kiff-kiff, femme-homme, même si la représentation qu'on a de du patient schizophrène, c'est plus souvent un homme, parce que les hommes sont plus dans le passage à l'acte, et donc c'est plus médiatisé, etc. Sauf que moi, quand j'ai travaillé sur mes archives, j'ai pas ça du tout. C'est-à-dire, les schizophrènes, quand je fais dans tous les départements sur lesquels j'ai travaillé, y compris la SAR, 80% de femmes. 80% de femmes. Donc là, moi, j'étais très, très surpris. Donc, je développe dans mon bouquin quelque chose sur le genre, justement, quelque chose sur comment on a apprécié ces femmes. Et pour moi, il y a quelque chose qui passe un petit peu de l'ancienne hystérie du 19e siècle, qui a disparu au début du 20e siècle dans les catégories psychiatriques. Et dans les symptômes, on va dire, un peu spectaculaires, la schizophrénie, la gestuelle des schizophrènes, on retrouve beaucoup de choses qui existaient dans l'hystérie fin de siècle. Donc moi, je me demande si, en quelque sorte, la schizophrénie n'est pas une catégorie qui vient nourrir un petit peu les stéréotypes de genre. Et souvent, les femmes un peu trop masculines, par exemple, dans un hôpital psychiatrique, elles sont caractérisées comme telles dans... Oh, celle-là, elle s'habille mal, elle est mal coiffée, on étudie son système pileux, enfin, il y a tout un... Tout comme l'homme trop féminin, hein, l'homme aux tendances homosexuelles, l'homme efféminé, etc., eh ben, on retrouve des descriptions comme ça dans les années 20 et 30, et ça vient nourrir, c'est plein de préjugés sociaux qui viennent nourrir un petit peu la classification psychiatrique. Oui, au fond. J'ai pas très bien compris votre question. Le décalage entre le nombre de témoignages. Ouais. Alors, ouais, mais les témoignages que je cite, en fait, moi je vais les chercher dans des dossiers de patients qui sont internés, qui ne sortent pas. Donc ça, personne ne les a lus. Donc il y a effectivement un décalage énorme entre un truc qui apparaît miraculeux aux médias et aux familles et puis l'expérience vécue. Mais ça, c'est souvent le cas quand même en psychiatrie, hein. Même pour des choses comme la chimiothérapie des neuroleptiques, hein, vous avez beaucoup de choses dans la presse sur c'est magnifique, ou dans le discours médical, c'est magnifique. Puis si on regarde les patients, ils disent ah, moi j'ai grossi, j'ai pris 20 kilos. Moi, je dors tout le temps, j'ai plus de libido, etc. C'est toujours. D'où l'intérêt de. D'où l'intérêt. Oui, mais parce que contrairement à Astrid Chevance, vous a expliqué très bien ce matin que elle fait partie d'un courant qui tente de réintégrer la parole du patient dans la clinique et dans le travail des scientifiques. Mais dans les années 50, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a très peu de patients, par exemple, qui vont témoigner à l'extérieur, qui vont publier. Ça commence tout juste. Donc il y a pas de prise en compte de ça. Non, les familles commencent à être militantes en psychiatrie avec la création de l'UNAFAM, qui est à la fin des années, milieu des années 60, et qui est au début une espèce d'émanation des psychiatres, et qui va progressivement s'autonomiser, ce qui fait que maintenant les familles ont une vraie parole autonome. Mais pas dans les années 50. Pas dans les années 50. Il y a une mademoiselle au fond. Non, mademoiselle, je vais peut arrêter, hein, vous me dites. Hein. Ok, mademoiselle. Ouais. Là, vous parlez d'électrochoc ou psychochirurgie? C'est pas du tout pareil. Alors l'électrochoc, on peut revenir à une vie normale. C'est principalement justement pour ça que c'est considéré comme efficace. C'est-à-dire que vous, à partir des années 40, avec l'électrochoc et d'autres choses, hein, qui existent, les services libres, etc., l'expérience de la psychiatrie
peut très bien ne plus être la même. Elle peut encore être la même qu'auparavant, elle peut très bien être différente. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des séjours brefs, une thérapie très active et un retour à une vie sociale quasi normale. Moi, dans ma famille, hein, j'avais un grand-père comme ça qui était très mélancolique et qui avait quelques... On m'a raconté qu'il avait quelques cures d'électrochoc de temps en temps. Bon, il n'était pas très travailleur, mais il revenait quand même dans un semblant de vie... Donc, c'est... Voilà, ça pour l'électrochoc, oui. Pour la psychochirurgie, c'est complètement différent. Personne revient à la vie normale. La seule chose qui peut se passer, c'est qu'on peut sortir une personne de l'hôpital et la remettre dans sa famille parce qu'elle est plus agressive. Parce qu'en fait, vous avez complètement détruit toute émotion chez la personne, donc elle est plus agressive. Donc elle peut être gérable dans la famille. Mais est-ce que ça s'appelle retour à une vie normale? Je ne suis pas sûr. Ouais. Alors, de masse, non, mais alors, présente sur tout le territoire et surtout appliquée à cette catégorie que j'évoquais, c'est-à-dire les patients chroniques résistants à tout. Et donc, on peut imaginer que, par exemple, pour l'hôpital du Mans, qui est un hôpital qui tourne autour de 1000 patients présents au même moment, je crois qu'ils en ont fait plusieurs centaines quand même. Hein. Et surtout chez les femmes schizophrènes, plusieurs centaines. En fait, le médecin-chef de l'institution dit, à la fin des années 40, c'est génial, au rythme où on va pouvoir régler le problème de ces services de patients chroniques dont on ne sait pas quoi faire. Donc, il est sur un rythme de plusieurs dizaines par an et il se dit, ça y est, je vais arriver à régler, à les faire sortir, en fait. Pour lui, c'est efficace. On a fait le tour. Une dernière question, peut-être ? Ouais, non, il y a... Ouais, non, moi je crois qu'il y a un vrai espoir, en fait. Il faut... Moi, je ne suis pas du tout anti-psychiatre, à dire c'est de la torture, etc. J'essaie juste de comprendre les facteurs qui ont poussé un certain nombre de médecins à penser qu'avec la psychochirurgie, ils allaient pouvoir régler des problèmes institutionnels. Et très clairement, les années 30 et les années 40, c'est probablement une des périodes où les psychiatres sont les plus optimistes, où ils ont l'impression que ça y est, c'est des vrais médecins, quoi. Enfin, ils vont pouvoir faire quelque chose, guérir, améliorer. Guérir, ils utilisent le terme encore. Hein. Maintenant, on ne l'utiliserait plus. Hein. On va utiliser le terme de rémission, de réhabilitation. Donc, il y a un vrai optimisme avec le recours à toutes ces pratiques en même temps. Et donc, finalement, l'arrivée des neuroleptiques en 52 ne va pas changer grand-chose à cet optimisme. Il va changer de bord, mais très, très optimiste. Ouais. Comme au début de la psychiatrie, quoi, presque. Comme 100 ans avant, au début de la psychiatrie. Il est très optimiste aussi. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Merci beaucoup pour vos questions. Merci.